Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? J'ai adoré. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire, et musicalement, et le jeu, la mise en scène, j'ai rigolé, c'était parfait. C'était magnifique, fantastique. Impressionnant, en qualité musicale, en la mise en scène, on s'attend pas du tout à un niveau pareil, et ça met des étoiles dans les yeux. C'était extraordinaire, vraiment encore mieux que ce à quoi je m'attendais. C'était super. C'était super chouette, ouais. C'était très très bien, c'était très drôle, c'était très musical, c'était très bien fait. C'est hyper drôle en fait, on s'attend pas à rire autant. Si t'avais une scène, un personnage, un air que t'as préféré? Les bottes. Je saurais même pas le dire, mais ouais. Ça rentre en tête et on est à fond jusqu'à la fin, quoi. J'ai aimé aussi les airs plus jolis, Fiorella la Brune quand elle arrive, tout. La princesse. Les gendarmes. Bon, les carabiniers, parce que c'est celle qui reste le plus en tête. Et puis j'ai beaucoup aimé l'introduction de Bourville à un moment donné, mais ça, il faudra venir voir pour savoir de quoi je parle. C'était très bien. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui se demandent s'il faut venir ou pas venir? Et bien, qu'ils arrêtent de se poser la question et qu'ils viennent, il faut venir, c'est extra. Ça vaut la peine, il faut venir. C'est une super manière de découvrir de la musique qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre et de se rendre compte qu'en fait, c'est sympa. Faut pas hésiter, puisqu'on est vraiment sur une partie entre théâtre, opéra et vraiment humour. Donc si vous aimez un peu les trois, venez-y.